Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield en compagnie de Steph. Salut, salut. Donc là on va se lancer sur une partie de braquage, histoire de voir un petit peu en mode détente. Là on va regarder un petit peu, comme ça Steph il nous donnera son avis, même si on n'en a rien à foutre, il va nous le donner quand même. Voilà ou pas. Alors. Ah, le mode braquage il est pas mal, il est simple mais il est pas mal. Ouais. Et c'est pareil, de juger sur une carte c'est difficile aussi. Bah, c'est du capture de flag à remanier, c'est. Ouais. Mais je trouve qu'ils auraient plus poussé le truc, tu vois. Ah mais complètement, ouais. C'est ce que je te disais, je trouve que les deux points d'évasion juste à la sortie de banque, je trouve qu'ils auraient pu créer une grande ville avec la capacité qu'ils ont à faire des grandes maps, faire des points d'extraction à l'autre bout de la map avec la poursuite justement à la sortie de la banque. Et tu vois, moi il y a un truc que je trouve encore pire dans cette histoire, parce que là on se trouve en milieu urbain et en fait tu te retrouves sur un gros casque comme ça et tout ça quoi, et il n'y a personne. Tu vois? Tout à fait. Je pense, je pense qu'ils auraient pu mettre de la foule, tu vois, que toi en tant que flic, il faut pas que tu fasses de dégâts, tu vois, collatéraux, parce que sinon tu te prends des pénalités ou des choses comme ça. Tu vois, ils auraient pu faire des choses comme ça. Ouais. En tout cas, ouais, ça aurait pu être beaucoup plus dynamique que ce que c'était, quoi. Je dis, au niveau de l'évasion, avec les flics, il y avait les moyens de faire des choses. Les flics, une classe qui a les moyens de déployer des airs, ça par exemple. C'est évidemment tout de suite, là. Putain, je savais pas que les vitres elles étaient par balles là-bas. Mais si, je me suis fait avoir une fois. Moi. Par contre, en intérieur, ouais, putain, j'aurais dû prendre un pis à pompe. Hautement recommandé. Oh putain, et là, et c'est marrant parce que. Coup de lag. J'en avais jamais eu de lag pour l'instant, je crois que j'en avais eu un. Mais figure-toi que je l'ai pas eu, hein. Je t'ai fait un bloc. Je t'attendais pour le tube. Je sais pas, j'avais pas vu que c'était orange au-dessus de lui. Et pourquoi lui il y avait un mec debout devant moi et il a disparu. J'aime bien balancer des grenades incendiaires, ça me plaît. Ah mais j'avais même pas vu, j'avais un laser sur mon flag. Oh, je me suis fait démonter. Voilà. J'ai toujours pas pris le coup, le pète avec ses menus là encore. Ah bah en même temps si t'as c'est vrai t'as peu joué quoi. Bon tu me diras j'ai pas joué énormément non plus. Ah ouais du coup je suis obligé de réapparaître sur toi. Ouais c'est vrai qu'ils auraient plus poussé le truc, ça c'est sûr. Ah tu vois le point d'extraction il est au niveau de la rue, je veux dire il y a une porte quand t'en fais vite autour, même si à l'intérieur. Et ouais, je trouve que les points d'extraction sont vraiment juste à côté quoi. Oh la vache putain, et je vise comme un. J'ai pas de viseur moi sur mon truc là, il faudrait que j'en mette un peut-être, non? Oh putain. J'arrive dans le dos du mec et j'ai paumé le bouton du corps à corps quoi. Et t'as vu que quand t'es flic en fait, moi à un moment donné j'ai chopé une masse. Quand tu chopes les mecs, tu peux. Alors je pense que c'est juste pour une histoire de gagner plus de points. Tu peux interroger les mecs. D'accord. Voilà, en fait le mec tu l'étrangles avec ta masse, avec le manche de la masse. Et en fait après il te propose de rester appuyé sur X pour interroger le mec. Donc j'imagine que ça te fait gagner plus de points. Ouais. Je pense pas que ça serve à autre chose, hein, mais bon, à moins que ça te donne peut-être des renseignements où sont placés les mecs, je sais pas. Mais je sais pas. C'est peut-être possible ça qu'ils aient fait un truc comme ça. Oui, peut-être qu'il y a des subtilités. Tu vois, genre qu'après t'as un curseur sur. La position sur le radar des amis. Ouais. Des amis. Putain, le mec là-haut là. C'est la mort. Ah merde, putain, j'envoie une dévoile sur. Je dis ça avec. Putain, ils ont chopé les manettes en fait. Oh putain. Je me suis pas du tout concentré. Oh mais non putain. Mais moi aussi y'a pas rien, je t'ai vu te faire descendre, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Oh, bah, c'est pas la première fois que tu me regardes crever la bouche ouverte sans intervenir. Non, c'est vrai que je trouvais ça beau.
T'as le mec qui fonce sur B là. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est quand c'est. Hier, ouais, avant-hier, là, j'ai réussi à faire un coup justement. On était des voleurs. Et pareil, t'avais un mec qui avait rapproché la mallette, mais tout près de B, quoi, tu vois. Ce qui fait que t'avais tous les keufs qui étaient là. Et je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai réussi à récupérer la mallette. Et du coup, en fait, ils étaient tellement tous concentrés sur B que je me suis barré sur A tranquillement. J'ai fait tout le tour de la map tout seul. Ah, ça, j'aime. C'est le genre de jeu que j'aime bien jouer, ça. Contourner. Ouais, et ça, c'est. Franchement, ouais, c'était pas mal. Mais même les mecs qui étaient avec moi, hein, ils m'ont pas suivi et tout. Et c'était assez sympa, quoi. Bon, par contre, je me retrouve à découvert avec fusil à pompe, le nain devant là, je sais pas. Ouais, fais gaffe parce qu'il y a un mec sur le toit aussi, hein, de la banque. T'es rapporté. C'est ok. Kit de soins, ça c'est parfait. Ah putain, il se barre sur les toits les mecs. J'en ai vu un là. J'en ai vu un partir là-haut. Quel côté des parties, je ne sais pas. C'est quoi ces espèces de grenades bleues là qui balancent là? Bah, je sais pas du tout. Hein. Est-ce que tu m'as jeté tout à l'heure? Je te signale, c'est les grenades incendiaires, non? Ouais, c'est moi. Je t'ai balancé une rouge. Une rouge? Je sais pas. Moi, ça va être du napalm. Mais une incendiaire quoi. C'est, ils ont fait un carton là. Je me perds un peu sur les maps. Pourtant elle est petite celle-là. Ouais, je sais, ouais, mais bon, je... Oh putain! C'est la bêta, j'ai pas encore trop fouiné. Et... Oula! Yeah, ça. On va fermer la porte du coffre. Ouais, ça peut arriver par un mot, hein. Attention, hein. Ouais, je sais. Ah bah tiens, fais gaffe, y'en a un. Regarde les débris là. J'ai retrouvé mon niveau. Mais je suis n'importe quoi, moi. Oh putain, mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout mis à côté, tu verras, mais quelle honte, tu vas te marrer quand tu vas le voir. Le mec, je vais. Eh, j'ai tiré autour. Tu as dessiné le mec quoi. Ah ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Oh là là, c'est affreux. Ah, moi je suis pas bien meilleur. Et, non mais le pire c'est que je te jure que normalement ça va à peu près, je suis un genre moyen on va dire à ce genre de jeu. Oui, je sais. Et dès qu'on joue ensemble c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Regarde Assassin's Creed tout à l'heure. Ça a été mais pire que tout je crois. Ah oui, c'est on a touché le fond. Les mecs ils finissent une mission quoi, ils s'en aperçoivent même pas. En même temps, en général, quand tu finis une mission, t'as une petite cinématique, t'as un petit truc qui te dit que t'as fini la mission, quoi. Là, non, il te faut sortir d'une zone à la con. Et... Ouais, mais enfin, c'était marqué sur l'écran quand même. Et si, ouais, c'était un peu, peu endormi, voilà, c'est. Mais moi, je te dis, une fois que je suis dans le jeu, après, je regarde plus ce qu'il y a autour. Des fois, t'as le truc sous le nez et voilà, quoi. Et non, mais là, je te jure, je me suis fait exploser la gueule. On va vraiment finir sur. Crever, bordel, putain, tu vois les hit markers, quoi. Les mecs qui prennent des balles, mais. Pas assez quoi. Et après tu te mets la misère. Le mec il est rang 26 quand même. Il a dû jouer à la bêta. Non mais ça monte hyper vite les niveaux. Oh merde putain, je me suis trompé de bouton. Oh putain. Il me trompe. Je sais pas. Je sais même pas s'il y avait un mec. Si, il est là avec ça. Et il est là!
Oh, j'ai tout mis à côté encore. Soutien pour suppression, ça m'a marqué, tu m'étonnes. Ça, c'est clair, j'ai fait de la suppression. C'est de la dépression que je fais. Bon, bah, c'était minable. C'était absolument minable. Là, j'ai honte. Deux éliminations, 6 morts, 900 points de score. Je crois que c'est la première fois que je fais un truc aussi bas. Je te jure. En même temps, ça a été très rapide. Ouais, c'est vrai, ça a été très rapide. Bon, bah écoute, on va les laisser là, de toute façon. Puisque tu vas aller te coucher. Ouais, tout à fait. Tout donc, à fait. Bah, on vous dit à bientôt, et puis on se retrouvera certainement sur Evolve très bientôt. Avec grand plaisir. Et puis sur Assassin's Creed, bien sûr. Allez, ciao, ouais. Steph. Salut, Loulou.